Salut à tous, c'est Megiddo. Nous voici donc pour Resident Evil, aussi appelé Resident Evil Rebirth en France. D'ailleurs, je crois qu'on est un des seuls pays à l'appeler Rebirth. Mais je t'ai pas demandé de commencer. Donc, c'est le remake GameCube, puis porté sur Wii, du premier épisode. Donc, les options réglage, luminosité, tout ça, bon, rien d'intéressant. Bon, comme d'habitude, donc on va décharger tout de suite, démarrer une nouvelle partie. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, soit en fait, c'est un peu un choix de difficulté, soit si vous préférez que ce soit dur ou facile, bon, on va faire randonnée. Après, donc, on nous propose de bien sûr les deux personnages comme dans le premier, à savoir Chris ou Jill. Je vais prendre qui? Bon, on va garder Jill. Quoique c'est vrai que j'aurais pu prendre Chris, puisque dans le premier j'avais déjà pris Jill. Bon, on va couper la vidéo parce qu'elle est assez longue. Allez, un changement. Voilà, on sait. On peut voir déjà que graphiquement le jeu est vraiment, c'est vraiment amélioré par rapport quand on voit le jeu de base. L'écart graphique qu'il y a entre les deux, c'est vraiment hallucinant quoi. Bon, on garde toujours le côté décor fixe, mais ils sont tellement travaillés que ça en devient hallucinant quoi. C'est-à-dire déjà quand on voyait Zéro sorti quelques... Quand on voyait Zéro déjà sorti quelques temps avant, quelques mois avant, quand on voit la qualité des rivers, c'est hallucinant quoi. Les détails sont hallucinants quoi, entre les flammes qui brûlent, les éclairs dehors. Ouais, d'ailleurs, bon, je comprends que après la qualité a baissé avec le 4, 5, 6 au niveau des décors, c'est parce qu'on est passé en full 3D. Mais sérieux, un jeu avec des décors si magnifiques, c'est hallucinant quoi. La fameuse scène du zombie qu'on avait dans le 1, ça je vais laisser. Ah, par contre, là, elle est vachement plus longue. Hein. Et plus gore. Là, d'ailleurs, comparé à la première version sur PlayStation Saturn, là, les persos sont beaucoup plus fluides. C'est-à-dire, ils glissent carrément sur le décor, c'est-à-dire qu'alors. Alors que dans la. Alors que dans la version 32 bits, les personnages étaient assez lourds, assez lents. C'est-à-dire qu'ils avaient des fois tendance à prendre du temps pour rien que pour tourner sur eux-mêmes. Là, non, les personnages sont beaucoup plus. Sont plus rapides, plus maniables. Regardez, même si je tombe sur moi-même, là, je tombe plus facilement, quoi. Et hop. On va chercher Wesker. Là, par contre, petite différence, c'est que dans le premier, on flague les zombies pour voir. Là, non, ils se relèvent et ils se rebarrent, quoi. Ah, sérieux, s'il y a une version de Resident Evil à faire, c'est la version GameCube. Ouh, oui. D'ailleurs, là, oui, je l'ai même pas encore essayé, c'est pour dire. D'ailleurs, moi, j'avais hésité, j'avais pensé faire la version Wii pour celui-là. Bah quoi, la seule différence entre la version GameCube et la version Wii, c'est que bah, la version Wii tient sur un seul disque et là, alors qu'il tient sur deux mini-disques. Voilà, il descend par là. Par exemple, dès le début, on peut voir qu'on a quelques petites différences, comme ici, on a une partie du manoir en plus, qu'on pourra faire plus tard. D'ailleurs, on va s'approcher. C'est bizarre, d'habitude on entend un hurlement. Parce qu'il y a un personnage supplémentaire qui a été créé pour cet épisode. Ouais, ce qu'on voit, d'habitude il suffit d'aller sous l'escalier et faire le tour et il dit que. Ah bah. Oh, il me file le machin et hop.
Après, là, on a des petits ajouts. C'est pas vraiment des armes secondaires, c'est juste des petites trucs de défense comme des poignards qu'on peut planter dans la tête, des grenades qu'on met dans la bouche. Là, c'est vraiment l'ambiance, là, elle est vraiment inquiétante. C'est autant le premier faisait flipper à l'époque de sa sortie, autant celui-là. Ah ouais. Ah, mais je sais pas demander pour le. Là, il faut pousser le meuble, si je me souviens. Hop, voilà. D'ailleurs, il y a un truc que je vous avais pas fait montrer dans le premier, c'est que quand on ouvrait la porte du manoir, la porte principale, on avait une tête de. De Cerber, là, les Doberman zombies, qui sortaient. Et là, carrément, si on le fait dans celui-ci, on a carrément un ou deux Doberman de serveurs qui vont carrément rentrer dans la pièce et voudra les flinguer. Le plan du manoir. Sur les gazons. Alors là, justement, je vais faire rentrer les fameuses armes. Comme vous avez dit, parce que là, on va justement avoir un zombie qui va nous attaquer. Ça permet de voir donc ce fameux ajout. C'est bien, c'est que en fait ils nous font le 1 avec les ajouts qu'on avait dans hop, elle va prendre le couteau et elle va me planter la tête. D'ailleurs, si on les tue, après je crois qu'on peut. Voilà. Et je peux récupérer le couteau si j'ai pas de conneries. Par contre, là aussi, petite nouveauté, faudra mettre le feu aux zombies parce que. Ah, je peux pas passer là. Il faut que j'aille où alors? Donc, comme je disais. Il faudra mettre le feu aux zombies, sinon ils se transformeront en super zombies par la suite. Et là, c'est super zombies, mais alors c'est vachement rapide. Ouais, les décors sont vachement flippants, tout ça, quoi. Où est-ce qu'il faut aller déjà? Ah, ça fait un bail que j'ai pas joué. Là, je crois que d'ailleurs, il y a des munitions de fusil à pompe quelque part ici. Allez. Il me semble qu'il y a des munitions ici. Elles sont où? Ah bah. Voilà. Toujours est-il. Il faut une flèche. Ah, je sais où il faut aller. Je crois que je m'en souviens, mais non. C'est dans une nouvelle partie du. Va par là, brotier. Mais où elle va? Ah, c'est où la sortie? Mais je vois pas où je vais. Ah, c'est par là. Voilà. L'escalier là. Allez, remonte. Ouais, je crois savoir par où il faut passer. On va par là. Ah, sérieux, ce jeu est vraiment sérieux. Il y a un Resident Evil à faire. C'est celui-là, quoi. C'est le premier version GameCube, quoi. Comme quoi, on n'a pas besoin de faire des décors tout en 3D pour faire un jeu magnifique. Là, c'est des plans fixes, mais ils sont superbes, quoi. D'ailleurs, c'est un peu dommage, ça, ils auraient dû garder ça pour les Resident Evil, quoi. Au lieu de tourner tout vers l'action à partir du quatrième. Ah merde, l'outil encore là. Alors, je crois que j'ai des missions, une cassette, ouais, et j'ai aussi des missions, si j'ai pas de conneries. Non,
Il est où l'autre? Le zombie? Bon. Tant pis. Ouais, donc le manoir a entièrement été retravaillé, c'est-à-dire on a pas mal de nouvelles zones en plus, on a des nouvelles énigmes, tout ça. Les pièces, on voit quasiment rien. Un chargeur de Beretta, je crois qu'il y en a pas, il y en a pas deux? Non, il y en a qu'un. Ah non, c'est des herbes qu'il y avait deux fois ici. Allez hop. Non, sérieux, pour moi, c'est un de mes préférés, quoi. D'ailleurs, je possède presque toutes les versions du 1, excepté le Director's Cut. Et la version PC. C'est-à-dire, comme je vous ai déjà dit, j'ai même la version DS, qui est vraiment pas terrible. C'est à part l'ajout de mini-jeux qui servent à rien. Je crois qu'il y a un zombie de là. Où est-ce qu'il est? Ah, il était contre le mur. À chaque fois, j'oublie lui. Mais lâche-moi, saleté, mais lâche-moi! Mais lâche-moi, saleté, lâche-moi! Je crois que je vais me soigner. Alors, associé, hop, utiliser, voilà. Rien que plus le menu est vraiment classe, quand on voit le cardiogramme là, vraiment comme un vrai cardiogramme à l'hôpital quoi, c'est vraiment sympa quoi. Alors, je récupère les plantes qu'il y a sur le côté. Allez hop. Il n'y en a pas une troisième, non. Là-bas, je crois que c'est. Où ça mène déjà la porte là? Ah oui! À l'énigme du chevalier. Faut surtout pas venir ici parce qu'en fait, ils nous mettent une clé bien en évidence ici, mais faut surtout pas la prendre. Parce qu'en fait, on va se flinguer direct. Il faudra trouver la fausse clé d'abord. Ça, c'est le genre d'énigme que j'aime bien. C'est-à-dire, ils nous mettent le truc en évidence, on va le prendre et on va crever direct. Allez. Hop. La porte de la chanson, elle est fermée. Par là, il y a quoi? Il n'y a rien au bout. Ah, je vois pas où je vais. Ça, c'est ce qui nous permettra d'ouvrir le tombeau qu'on a vu tout à l'heure. Là, il suffit de regarder. Hop. Examiner. Le bout peut se décrocher. Voilà. Bah, là, il n'y a pas autre chose. C'est par là. Voilà. Oh, il y a quelque chose là. Un petit poignard, c'est toujours utile. Allez, hop, on va aller dans la zone que je... qu'on peut ouvrir désormais. Allez hop. Sérieux, c'est je comprends pas pourquoi en ce moment on est en plein mode des remakes HD. Mais moi je trouve que c'est des remakes HD du pauvre. Parce que pour moi ça c'est un remake HD quoi. C'est-à-dire on passe d'un jeu totalement différent. Mais pas simplement lisser l'image à le moins 2 quoi. Allez hop. Voilà.
Putain, on voit à peine où on va. Je sais pas, j'espère que la vidéo sera pas trop sombre. Parce que moi je vais foutre l'éclairage de mon écran à fond, quoi, c'est pour dire. Ça c'est une énigme. Alors dans le premier on devait trouver 4 symboles, ici on doit trouver 4 visages. Un qui manque la bouche, un qui manque les yeux, un qui manque le nez et un qui manque les trois. Et ça libérera le cercueil qui est là-haut avec un super zombie dedans. Voilà, je crois que si on peut examiner. Voilà, la clé manoir. Bon, on peut lire le machin comme d'hab, ça on s'en fout un peu. D'ailleurs, c'est quelle clé manoir? La clé épée, ok. Bon, on y va, tranquille, pépère. D'ailleurs, comme depuis Resident Evil 2, où on a carrément un gros méchant qui nous court après, dans celui-ci aussi, nous mettrons ça avec une sorte de fille mutante, Alexia. Je sais plus si c'est Alexia ou je sais plus son nom. Non, Alexia, non, c'est ça, c'est dans la famille. Dans Code Veronica, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, c'est un personnage assez flippant qu'on rencontrera 2-3 fois. Voilà, donc techniquement je peux aller par là maintenant et ouvrir la porte. Je sais plus si c'était bien épais marqué sur la porte ou pas. Ouais, ça me fait plaisir d'y rejouer, ça fait un bail que j'avais pas joué. Voilà. Allez, on va voir la fameuse scène des chiens. Je crois qu'elle est retravaillée et tout, elle est vraiment classe. Alors là, c'est vrai que ils nous ont fait le piège du coup de. Hop. Ah, tu t'attends à voir le chien, en fait, il se passe rien. Mais c'est au retour. D'ailleurs, à l'origine, dans le premier Resident Evil, c'était pas des chats qu'on devait avoir dans ce couloir, mais des araignées. En fait, ça me fait un peu penser à ce qu'ils ont fait sur Xbox avec Conquer Bad Fur Day. Conquer, Live and Reload, où là aussi à la base c'est tu penses voir un remake du jeu et puis au final il y a tellement d'ajouts de modifications que le jeu est presque un peu différent quoi. À part que là dans celui-là moi ils s'en amusent de cet effet quoi. Parce que t'as Conker ce qui se plaint des programmeurs à un moment pour à propos de ça quoi. Ah, là j'ai oublié. Là c'est la pièce dehors, je crois qu'on peut on se fait attaquer par les chiens si on y va. La l'engrais est ici? Ah, je m'en souvenais pas. Vraiment même pas attaqué par les chiens. Que dalle. Ah, il y avait une scène marrante. Sympa ici, c'est la scène dans la salle de bain. Où là, carrément, elle va être tellement dégoûtée du zombie qu'elle va être dégueu dans les toilettes. Vider l'eau. Alors là, je vous la CS cinématique parce qu'elle est vraiment. Par contre, je sais pas ce qu'elle a là aux yeux, Jim. On dirait qu'elle a la moitié droguée, quoi. Elle a la moitié endormie. Ça c'est vraiment sympa comme scène. Je crois qu'on récupère juste un coup. Encore un couteau. Ah ça on va en trouver partout hein. Allez. Je crois que c'est. Non, je crois que c'est elle qui a des couteaux et Chris qui a que des grenades.
Techniquement, je crois qu'on peut déjà aller chercher le fusil à pompe. On va voir ça. Allez, hop. On va voir si ça va faire comme dans l'autre où on a Barry qui nous sauve. Je m'en souviens plus du tout. Et voilà, la fameuse scène où il y a Barry qui doit arriver techniquement. Allez. Ah tiens, je me l'ai laissé la scène, je vais la couper, mélanger. T'as le titre Magnum sur la porte, ça me fait marrer. Ah, c'est vraiment juste hein, par rapport à l'autre, on a quand même une grande marche pour passer. Là non. D'ailleurs, Barry, j'aimerais bien qu'on le revoie en personnage dans un Resident Evil et qu'il soit jouable. Parce qu'il, jusqu'à maintenant, il a été jouable qu'une seule fois. C'est dans Gaiden sur Game Boy. Ça, c'est un des personnages d'ailleurs qui sont bien massacrés dans le dernier film Resident Evil. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Surtout, j'ai spoilé, mais sa mort est complètement conne. Genre, hey, je vais me battre, paf, 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 je suis mort, je me relève, paf, je meurs. je crois qu'il y a un zombie qui est juste là. J'embrasse pas au premier rendez-vous! Désolé, mais cette blague est tellement. J'aime pas le fusil à pompe. Le prochain zombie, je te le dégomme à coup de fusil à pompe. Voilà, allez hop, il est où? Il doit être juste. Wow! Ça nettoie le fusil à pompe dans ce fioc. Ah, y'a pas le temps de réfléchir, zombie qui est déjà tapé sur les murs. Alors, ça, je vais me débarrasser de ça, voilà. Bon, la terre, on a la fameuse. Ça, c'est une petite bouteille. Oh, viens ici. Prends la bouteille à terre. Ça, c'est la fameux réservoir qui permet de brûler les zombies, mais bon. Autant c'est facile avec Chris, puisque lui, il a un briquet toujours sur lui. Autant avec. Avec Jill, faudra trouver un briquet. Parce que là, on n'a pas. Mais bon, de toute façon, comme je veux pas aller. Très loin dans le jeu, donc c'est pas à peine que je les crame. Mais en plus, je crois que l'essence elle est limitée quoi. Ah, rien que l'effet avec le lustre est vraiment pas mal. Plus de tableau là. Il est où le zombie? Allez. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que c'est. Ils ont utilisé le même moteur pour les personnages, pour. Si je dis pas de conneries, je crois que le moteur du jeu a été utilisé pour le premier Chronicle sur Wii. Ah merde, il bouge encore, bah tant pis. Attends, il a survécu un coup de fusil à pompe, le zombie. Waouh. Ils sont solides dans celui-là. Alors là, c'est les planches qu'il faudra récupérer pour faire. Enfin, c'est un gros foutoir pour faire. Les plans du premier étage, il faut récupérer deux planches. Faut les mettre sur une cheminée, après faut foutre le feu à la cheminée. Ça va imprimer sur la planche le plan. Ouais. Ça c'est what the fuck. Bon, on revoit Barry.
Bah, il me donne des munitions de machin. Le problème, c'est que j'ai pas l'arme. What about you? Oh, don't worry. Bah, lui a son magnum. Bon, il faut vider un chargeur pour flinguer un zombie, mais bon, il a un magnum quand même. Allez hop. Donc, on va bientôt arrêter. Parce que la vidéo commence à déjà dépasser les 25 minutes. D'ailleurs, ce jeu-là, je vais. Petit peu anecdote, je raconte ma life. Je l'avais acheté à Valenciennes le jour où j'accompagnais ma soeur faire sa journée d'appel à la défense, quoi. C'est-à-dire, quand je me faisais chier toute la journée à Lens tout seul, j'étais allé dans un. Je crois que ça devait être un Score Games à l'époque, enfin un Games. Et c'était gouré sur le prix du jeu, et je l'ai eu à l'époque à 15 euros le mois de sa sortie, quoi. Je l'ai eu à 15 euros le mois de sa sortie. Bon, j'ai rien dit sur l'étiquette, le gars il a pas tilté. Quel jeu c'était? Ah ouais, là, pour avoir la fausse, je me souviens, il faut siffler un fois. Oui, ah, je me souviens d'énigme ici. Pour récupérer la fausse clé, il faut le siffler à ultrason. Pour appeler les chiens. Je sais même plus où on chope le sifflet. Ah, je crois qu'il y a un zombie qui a monté l'escalier là. On peut. Ah, je pensais que je pouvais le décapiter avec le fusil à pompe. Bah, tant pis. Ouais, il y en a qui descend l'escalier. Bah, tranquille, on descend l'escalier. Comme je disais, donc je l'ai eu pour à peine 15 euros le mois de sa sortie. Parce qu'il y avait une erreur d'étiquette. Heureusement que le vendeur. Si... Ah, ça, c'est à l'époque où on avait des vendeurs qui savaient pas ce qu'ils vendaient. Ça, c'était classe. Oh, tant que t'avais un diplôme de vente, tu pouvais vendre ce que tu voulais, même si tu savais pas ce que tu vendais. Et après, bah là, il y a quelques semaines, voire mois, voilà, carrément le mois dernier, j'ai récupéré donc la version Wii, neuve, à 10 euros, à mon Carrefour. Ça, c'est bien quand ils font des petites promos, mais bon, faut fouiller dans le rayon. Je récupère, en ce moment, chez eux, je récupère plein de jeux Xbox, PS2 ou PSP, DS, enfin, à tout sort dans les 10 euros, voire 5 euros, 15 euros. Maximum, je mets 20 euros. Surtout quand c'est des collectors, genre. Alone in the Dark Collector sur Wii. Après, il y a eu du. Les pseudo collectors de Mario All-Stars et. Le Sonic All-Star Racing avec la manette, avec le volant, quoi. La plupart du temps, j'en prends des jeux à 10 ou 15 euros. D'ailleurs, je vais peut-être bientôt leur prendre, c'est Punch-Out sur Wii ou tout dans le genre, quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Resident Evil. En tout cas, moi, c'est un de mes préférés, ce remake. En tout cas, s'il faut faire une version du 1, c'est celui-là. Même si, bon, pour le fun, on peut faire l'ancienne version, elle est pas mauvaise. Mais bon, là, c'est vrai que graphiquement, elle a mal vieilli. Quoique, certains décors restent encore assez beaux, surtout à la version Saturn. Mais le travail qui a été fait, c'est hallucinant, quoi. Mais c'est un peu dommage, à l'époque, qu'ils avaient annoncé qu'il y un projet de faire pareil pour le 2 et le 3. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Ils ont juste fait des portages du 2 et du 3 sur GameCube. D'ailleurs, assez mauvaise qualité et qui se coûte super cher maintenant. On se demande bien pourquoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Donc on continue la rétrospective des Resident Evil. Donc le prochain, ça sera Resident Evil 4, toujours sur GameCube. Puis après, il ne restera plus que le 5 et le 6. Allez, à demain pour la vidéo suivante.